Comment ça, Archer, c'est quoi en c*** ta race? Mais vous avez aucun goût, aucune culture. Vous êtes matrixé parce que vous dites Kameto et Gotaga, les mecs. Remember it. So let's go speak only English. Hi everybody. Hi chat. How are you today? Only English in the chat now. He's someone bad. What motherfucker? What's happening here? Is okay. I know you are. Fucking fuck. Putain de grenade. This scratch. Yes? Why you don't speak English with me? Yeah, I'm pretty sure you want to talk with me, but the problem is like your English is like so bad. It's not a problem. I'm just speaking like Morty. Rick, I don't know what is going on. Vous avez pas Rick et Morty, vous le regardez pas en VO, bande de sous. Mais ta mère, fils de p***, tu regardes pas en VF des dessins animés, mais... Mais non, mais... Ta mère, y'a aucune explication. J'en ai ras-le-bol de ces espèces de putain de débiles qui puent la p*** en anglais et qui ont toujours pué la p*** en anglais. Et sous prétexte qu'ils puent la p*** en anglais, qu'ils ont jamais voulu sortir de leur zone de confort. Parce que tu pues. Non, tu dis de la merde. Non, là tu dis de la p***. All series, all show and film, I look one example, Archer. Tu regardes Archer en VF avec des explications de blagues que tu ne peux pas comprendre au final. Comment tu fais pour regarder? Tu regardes South Park en VF? Comment tu fais quand il y a des blagues sur des trucs américains que tu peux absolument pas maîtriser? Il y a aucune justification. La VF est respectable. J'ai le droit d'être énervé, ok? Ça fait une heure que je t'explique. Tu vas fermer Un peu de virilité quand tu parles là. Ferme ta gueule, ok? Comment ça de la virilité? J'ai de la virilité si j'ai envie d'avoir de la virilité en ta race, ok? Sauf pour les Simpsons. Les gars, j'ai eu ma période où j'ai commencé la VF sur les Simpsons. Les Simpsons sont arrivés. On a connu l'arrivée des Simpsons, ok? On a connu l'arrivée de South Park. On a connu. Mais ferme ta gueule, arrête là, si c'est juste pour répéter comme un. Mais non, c'est impossible en. Ta race. C'est parce que t'es nul. C'est parce que tu comprends pas la subtilité. Est-ce que tu peux au moins admettre que ton niveau d'anglais ne te permet pas peut-être de comprendre tout? Archer, c'est quoi? Comment ça, Archer, c'est quoi en ta race? Mais vous avez aucun goût, aucune culture. Vous êtes matrixé parce que vous dites Kameto et Gotaga, les mecs. Voilà, même les créateurs des Simpsons le disent que la VF pour les Simpsons est mieux. Mais ferme ta mère. B***e ta mère, Yayo. Ta mère, ok? T'as pas le droit à la parole ici, mon gars. T'es le monteur de Skyrose. Tu montes des vidéos pour code. T'as perdu tout le droit à la parole, ok, frérot? En plus, t'as quitté la France, t'habites au Mexique, ok? Et t'as le physique d'un fucking tacos. Donc tu fermes ok? Les gars, vraiment, la VF, ça peut être très bon. Moi aussi, j'adorais regarder South Park en VF. Moi aussi, j'adorais regarder Simpson en VF. Et j'ai commencé. Et c'était dur après de passer en anglais. Bruce Willis, tu vois, la voix, elle est incroyable. Elle a toujours été incroyable, la voix de Bruce Willis en VF. Ça est 10 fois mieux. Mais ça ne peut pas être moins bien en VO par définition. C'est tout. La VF de Breaking Bad, c'est meilleur. Docteur Bédo, tu fermes. Frérot, t'as 15 ans, ok. Écoutez un peu des gens, écoutez. Arrête de parler quand je suis en train de parler, bordel de merde, tu vas la fermer ta gueule. Tu peux attendre le principe de la communication et de la conversation. Tu peux parler à la fin de ma phrase en ta race. On s'en fout, je suis en train de parler à mon chat. Tu ne lis jamais ton chat. Et quand je lis une phrase sur mon chat, tu te sens obligé de répondre. C'est mon chat, mes viewers, fils de... Okay. Le 24, je fais ça. Mec, c'est September en ce moment, les gars. Vous en avez pas marre de paraître pour des putains de rats, sérieux? Franchement, promis, mon truc gratuit, je te le donnerai le 24. Putain, les gars, franchement, c'est ça, c'est comme ça qu'on remercie le plus grand créateur du Twitch game, le vrai French Monster, le mec qui vous fait vibrer et qui vous fait marrer sur Rainbow Six, qui vous a appris des centaines de trucs. C'est comme ça que vous me remerciez, les gars? 3 fucking euros, Krao! Non, mais t'as pas besoin, tu mérites pas. T'es pas assez riche. Au gros, en fait, c'est ça la mentalité. Tu reprends. Mes propos, toi, arrête de copier là. Tu m'as saoulé. Bah non, c'est, je l'ai toujours dit. Ah oui, on prend en gros. Oui, Pierre Ménès. Mary mérite plus que toi. Oui, bah bien sûr. Oui. En termes financiers, je mérite d'avoir plus, oui, ça c'est sûr. En termes financiers, tu mérites d'avoir plus que moi? Non, pas plus que toi, je mérite d'avoir plus. Ah, lui, il a dit plus que moi. Bah non, c'est débile. Voilà. Ceci dit, je suis beaucoup plus drôle que toi.
La preuve. Je suis beaucoup plus sincère que toi aussi. Toi, t'es un peu un faux cul avec tes viewers, tu vois. Alors que moi, je les néglige. Vraiment, tu vois. J'aime cette c'est deux rire, fois, deux fois l'autodérision. Dérision, j'adore. Ouais. Énorme, exceptionnel. Ouais. Il a raison. Va lui faire en. Après, les gens qui disent VO, mais regardent que en anglais, et dès que ça passe en japonais ou allemand, ça switch en VF, ou voilà. Moi, j'ai dit VO. Est-ce que tu m'as entendu une seule fois utiliser le mot d'anglais? J'ai, ouais. Moi, si c'est un film mexicain, je regarde en Mexi fucking quin, ok? Si c'est n'importe quoi, je le regarde en version originale, okay. D'accord? Et comme je suis un mec un peu hardcore, qui n'avait pas d'ailleurs fini sa phrase, je regarde tout en sous-titré anglais, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand j'étais au Pérou, je regardais des films en espagnol sous-titrés anglais. Voilà, parce que je suis un fucking monstre, ok? En mandarin, tu regardes aussi 100%. Y a pas le chinois, c'est hyper beau. Toutes les langues sont belles, en fait. L'allemand, mais ouais, toutes les langues, franchement. L'allemand, franchement, c'est ok, hein, franchement. Moi, ça me rappelle, c'est nostalgie, en plus, tu sais, d'écouter un peu l'allemand. J'adore l'allemand. Moi, j'adore. Moi, ça me rappelle mon grand-père et tout, tu vois. Miaou. Je me rappelle la belle époque. Ah mais je suis sur site et je suis reveal. Mais je suis reveal. Marc Tavera. Y'a Cavera en ta race. Comment c'est marqué? Alors que c'est marqué position. Reveal by Cavera. En vrai les VO, ce qui est bien, c'est que tu profites de la vraie voix des acteurs. Mais c'est le vrai. En fait, vrai. En fait, c'est pas VO, c'est VV. C'est vraie version qui s'appelle en fait. C'est tout. Donc c'est les vraies blagues, les vraies subtilités, les vrais sons. Parce qu'il y a un autre truc qu'on oublie aussi. L'écriture par dessus la bande sonore originale. Parfois, l'intégration de la voix, elle est pas bonne quoi. T'as l'impression que le mec il est en studio alors qu'il devrait être en plein milieu, il devrait y avoir une résonance et tout. Regarde la VF et la VO de Matrix quand il y a Matrix rencontre Trinity avec derrière la musique quoi. Non mais il y en a un, t'as l'impression qu'ils sont dans un studio, c'est nul. Et puis les subtilités, la subtilité, c'est cool quoi. Après pour un dessin animé, j'ai un peu du mal. Parce que c'est question d'un... Non mais voilà, moi pour un dessin animé, je te le dis, je suis... La VF des dessins animés, c'est mieux. Non, la VF de Pokémon, le dessin animé. Mais qu'est-ce qu'on en a de Pokémon, mon gars. C'est pas un dessin animé. Mais c'est pas un dessin animé, mon gars. C'est juste, c'est du marketing qui ont été mis parce que c'est de la merde, ok, les Pokémon. C'est un truc de marketing où les gars ils se sont dit, hey, c'est populaire, c'est forcément de la merde. Bah oui, parce que ils se sont dit, hey, les images Panini, les débiles qui achetaient des images Panini, il y en a plus, ok. Il va falloir qu'on fasse un truc de collection pour tous les gros débilos pour leur vendre des trucs. Oh bah vas-y, on a qu'à faire des petits trucs qui ressemblent à des petites créatures trop mignonnes, etc. Et ils ont construit le marketing inverse. Ça coûtera très cher les cartes parce que c'est rare, c'est de la collection. Tous les gens qui me disent parlent de Pokémon, de One Piece, de machin, vous avez zéro originalité sérieusement. Il est temps que les gens se fassent entendre. Je regardais en 2004-2005 One Piece parce que moi je fais partie de la génération qui a connu l'arrivée de One Piece et dès que ça a été ultra surpopulaire, là les gens me cassent les... Il me casse et je regarde plus One Piece à cause de ça. Pourtant j'adore One Piece, mais cette popularité que ça a atteint et que tout le monde a des pépés de Luffy. En plus c'est les mêmes fils de p*** qui prennent les valeurs des mangas en disant oh putain il est trop bien et c'est des gros fils de p*** sur des réseaux. Guys, we're gonna win this game. Yeah, no problem. Ah si, mais qu'est-ce qui va saouler l'autre? Ah, ça... Première étape, un pingé ceci. Deuxième étape, tirez là. Ok, vous avez pingé ça. Prendre ton C4, le balancer ici. Exactement, le mettre ici et ensuite derrière, attendre. Écoutez. Là, c'est une fenêtre qui casse. Ensuite, je recule parce que j'ai entendu des coups de feu là-bas. Donc, je punch cette fenêtre. Ah, je regarde un petit coup de buck, là, on a entendu. Et je... Okay. Oh, j'allais faire le double kill, il y en avait un autre en bas. Maudie va se décaler. Et si elle meurt, ça veut dire qu'elle a la ligne sur elle. Pas maintenant, mais juste en face. Il faudrait qu'elle aille dans le corner. Là, par exemple, il y aurait une ligne sur elle. Donc, si elle a la ligne, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à l'extérieur. Mais comme il n'y a personne à l'extérieur, bah du coup, elle n'est pas là. Let's go back to site. Non, je l'ai touché. Pourquoi y'a plus personne sur R6, mec? Mais y'a du monde sur R6, attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est super, 400 c'est super, qu'est-ce que tu racontes toi? Oh mais putain, merde. 400 c'est bien, moi je rêverais d'avoir au moins 200 ou 100 personnes. Déjà, repasser la barre des 100, j'adorerais. Eh ben, une chose est sûre, mon gars, c'est pas en faisant du fucking développement de ton serveur de Oh, je suis obligé de le faire, non serveur, merde. Non!
dit, je dois le faire. Non. Si. Non, t'es dans le déni, frérot. T'es dans le déni. T'es dans le déni total. Tu es dans l'incompétence. Tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Tu es bête. Voilà. Là, tu es bête. Non, mais tu es bête. C'est pas grave. Oui, tu es bête. Moi, je m'y connais, Mary, ok? Écoutez-moi. Moi et mes 16 viewers, on connaît plus de game, ok? Monsieur Melon, monsieur, je connais tout de la vie, mais qui est incapable de l'appliquer à lui-même. Laisse-moi te dire que là, vraiment, tu montres tout l'étendue de ta mesquinité. Eh bah ouais, petite salope. On me tue pas. Merci Duditi pour les 16 mois de pré-scolarité. Combien ? Ah, 48ème sub aujourd'hui. Ah, c'est ouais, pas mal. T'as 48 subs, j'en ai 9, putain, mais ça rend ouf. Hein. C'est pas mal 9 déjà, non, pour toi ? Ah, t'es mort. Ah, d'accord. Ah, c'est peut-être pour ça que t'as pas beaucoup de subs, je pense. Tu meurs souvent. Eh, franchement, encore un tilt et tu veux me tilter ? Non, non, vraiment, j'aime bien. Ouais, enfin, ouais, j'aime bien quand t'es tilté, c'est drôle. Ok, parce que je me barre direct. C'est le record de sa chaîne, 9 en une journée. Non, c'est pas moi, je ne fais que lire mon chat. C'est le chat, c'est le truc qui défile à droite. Ok, c'est bon, je me barre. Non, non, vas-y, reste, c'est drôle. Vas-y, allez vous sub à sa chaîne aussi, bande de fils de p***, là. Au lieu d'aller donner à Kameto aussi toute votre thune, là. Franchement, c'est incroyable ce que tu fais. Squeezie, franchement, c'est trop trop bien ce que t'as fait. T'as inventé la Formule 1 et t'as invité tous les plus gros youtubeurs. Waouh, amazing. Personne n'y avait fucking pensé, mon gars. J'ai hâte de la prochaine invention. Le football, on l'a fait, c'est bon. Basketball, il faut le basketball. Le basketball, c'est assez connu. Il faut un truc. On a inventé tous les streamers, que des streameuses. Et l'équipe de volley du Brésil. 1000 ans que j'étais pas venu voir le stream avec Mary, il a pas changé, se plaindre H20 câble. Terrible, ce garçon. Eh bah, j'ai droit de me plaindre ou c'est interdit par la règle de Twitch? Non, bah déjà, par définition, tu es français. Donc, bon, c'est un peu ton sport national, tu es obligé. Voilà, merci. Le basket, c'est PA qui l'a fait. Non, vraiment, Domingo l'a fait? Vraiment, c'est ouf quand même. Non, mais c'est cool quoi, mais bon, summum de l'originalité, les gars. Franchement, bah, qu'est-ce qui existe à la télé et qu'on peut prendre et qu'on va faire en version YouTube pour tous les débiles qui sont nés à 11 ans, qui ont 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15, 16 ans, qui n'ont pas vu la télé parce qu'ils sont débiles de toute façon, hein, qui se sont absolument pas renseignés et les gars vont dire, ouais, franchement. Prochain truc, on va les mettre sur une île. Et avec une équipe rouge et une équipe bleue. Ce sera incroyable. Ça va être génial. Ça va s'appeler Koh Samui. Ouais, mais attends, et la cause animale alors là-dedans? Attends, mais franchement, on en a rien à foutre. De manière, j'ai fait un stream dégustation cuisine. J'ai fait une entrecôte de 600 grammes. Ah, ouais, c'est vrai que ça a aucun sens. Mais quand même, c'est quand même une petite vachette. Ouh, la pauvre vachette. Qu'est-ce qu'elle fait la vachette là? Kapichevkov, un sub. Genre Kapichevkov, un sub. Mais lui, ça a toujours été un gros fils de. De toute façon. C'est un rat. C'est un rat. Non, mais lui, c'est ouf. Plus rad, hein. C'est celui qui va donner le moins de trucs, je crois. C'est vraiment le rat. Mais ta mère, toi, doudou. Viens, franchement, on fait un truc, on appelle ça, on fait un pied de nez. On fait. Il m'énerve, lui, là, avec sa voix, là. He's on my body, right on my body. Ta gueule. Regarde, moi, j'ai pas d'endroné, j'y vais à l'arrache, mon pote. M'énerve. 15 secondes. Flank him through the wall. Flank. Non, droite. Mary, cours. Fuck him. Ah, t'es nul à chier, c'est chaud. Donc, je disais, viens, on fait un popcorn, mais en mode bas les couilles, tu sais. On l'appellera popcorn et on fait un pied de nez à popcorn. Tu veux que je te dise un secret que je t'ai jamais confessé? Non, c'est non, vraiment, non, je vais te dire. J'aimerais te voir Est-ce qu'il y a une tête à avoir une petite veine qui se gonfle, non? Parle-nous un peu de ton. Pourquoi faut toujours que tu débordes? Pourquoi non, faut mais, toujours mais que tu débordes? Mais moi ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse. Des masses. Ben non, ben les gens aiment la débilité, aiment le beau, aiment le ridicule. Ok. Donc, bah ouais, bah la preuve que non, parce que t'aurais plus de subs en ce moment. Ben non, là je viens de le faire là maintenant, connard. Tu crois que ça va m'apporter des subs dans l'instant ou pas? T'as montré. Ah ouais, c'est bon. Ah ok, t'es rapide. Merci pour le sub. Ah oui, elle est toute petite, on la voit pas très bien. Mais vas-y, voilà, mais quoi. Qu'est-ce qu'il fait là? What do you do là, Sheiko là? Mange ton cul, frérot. Vas-y, t'as le crosshair au niveau de la mec. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es vulgaire, Six Card, je n'apprécie pas. Six, je vends ma Peugeot 405, tu la veux? Brim, ouais. On s'en bat les couilles de ta bagnole. Non, moi je la veux, ta voiture. Mais t'as pas le permis, toi. T'as un problème avec ça, toi. Mais c'est quand la dernière fois que t'as conduit? Oh putain, mais en plus, t'es le mec, il oublie ce qu'il dit au dernier live. Quoi. Ah oui, t'as conduit l'année dernière. Non, il est chiant. Mais c'est pas que j'oublie, c'est que j'en ai rien à branler de ce que tu réponds. Bah tu alors, vois, pose pas la question. Ah oui, voilà, mais c'est là, tout, je suis toi, dans en fait. L'animation. Moi, personnellement, non, je m'en fous. Ah, okay, mais peut-être que certains viewers ont envie d'entendre, savoir. Ont envie de réentendre, du coup. Oui, bah et c'est pas toujours les mêmes personnes, tu vois. Contrairement, moi, je fais du rythme, il y a des nouvelles
personnes qui viennent sur mon live, moi. Moi, c'est pas les 16 personnes qui sont des membres de ma famille comme toi, tu vois. Oui, absolument. Bien évidemment. Puisque c'est toi qui essaies de m'humilier et qui essaies de faire une blague de merde sur moi. Donc, forcément, le truc, c'est que ma défense, c'est l'attaque. Ma défense, c'est l'attaque, fils de. Quelle attaque!